Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. J'espère que cette aventure vous plaît. En tout cas, on va continuer où s'est arrêté. On va continuer, on va faire ce grand coup. Où j'espère ne pas trop galérer, hein, vu tous les crocos qu'il y a, le piaf, etc. Bon, enfin bref, hein. On va bien voir. Alors déjà toi, adios. Ok. Toi franchement j'ai envie de t'éclater. Hein. C'est quoi qui est balancé? C'est du gel, hein, on est d'accord? Ok, on va déjà nettoyer un peu, hein, parce que... Ah lui il aime pas le feu hein. Toi, you don't like the fire. You don't like the fire. Ok. L'autre croco là-haut. Regardez là-bas, là, il passe là. À moins que par là on peut. Ah, mais Sveillor à la con. Sveillor à la con. On va clear la zone. Les environs. Ah.
Ok. La zone est clear. Vite, il arrive. Bah, il arrive. La boîte lent. Il fait des grands pas, ce con. Hein. C'est l'endroit idéal pour sauter sur le grand. Hey, come on, guy. Come on. Come on, my friend. Allez, viens là. Bon, je dois atteindre sa tête. Ok. Ok. Bon, il y a l'autre piaf là. Yeah, j'ai plus de flèches de somme. On va en refaire. Hein. Ok, un point de compétence. L'affichage de la carte, donc là. Ouf. Net. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Alors, du coup. Bah, l'objectif, c'est méridien. Hein. Bah, let's go. Hein. Je descends au mauvais endroit. Je sais pas pourquoi, mais. Ok. Ok, c'est parti, objectif méridien, 1 km. En espérant ne pas tomber sur des bestioles à la con, là, dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces structures là? Oh, vous savez, moi je me méfie. Hein. Quand bon, on dit. Comment ça? Oh putain, il y en a ce chemin! Oh, mais vous me faites chier. Pas aujourd'hui. Ah bah oui, en plus, ça a plein de dents, tu sais. Ouais, bah, pas aujourd'hui, hein. Ah, même beau. Alors, bon, les grosses bestioles sont pas encore ici, mais. Tu sais, c'est quoi la petite cabane là-bas? Mmh. Holy shit! Oh non! Oh, c'est... oh non! C'est vrai, bah, ça, c'est la. Ça, c'est, je crois, c'est peut-être la... l'une des plus grosses bestioles du jeu. Ouais! C'est cool, Léa! Je suis repéré. Hein? Oh, mais tu me fais chier. Oh, ta gueule, putain. Attends, tu vas me dire que pour aller à Méridien, faut que je passe par. Non, ouais, non, pas besoin.
Oui, c'est celle-là, là, la bestiole là, là. Non, non, moi je veux pas, moi. Ici, ouais. Ici, là, faut pas. Non, faut pas. En gros, j'ai vu, il y a Belvins qui m'a envoyé une vidéo où il en fightait un. Ah, bah, c'est ça, Méridien. Et ben, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bah, pas pour tout de suite, hein. Hein? On va pas se fight ça tout de suite, hein. Le sable m'écorche comme des pierres. On l'entend, c'est lui en plus qu'on entend là-bas. Avant, j'aimerais bien examiner les bestioles qui sont là-bas. Piétineur. Ah non, bah on les avait déjà vus, ça. Bon, on n'a jamais fight, mais. Là, l'objectif c'est vraiment de progresser sans fight, hein, parce que là. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Y avait personne avant. Bon, c'est des charognards, c'est des trucs classiques. On se fait ça au pire. Ils vont m'emmerder. Ouais, j'ai pas ce réflexe de sauter au ralenti, etc. Je l'ai pas. Mais en vrai, ça fait un effet vachement ralenti et tout, et on peut vraiment ajuster. Et ça peut nous aider. Ok, du renfron. Tranquille. J'ai vu qu'il y avait un feu de camp là. Ah bah voilà, on arrive. S'il y a déjà une personne là, c'est que ça doit être clear, je pense, après. De ceux dont on se méfie de moi. Ouais, bien stylé, bien, Lyon. Bon, tu fous que ce soit de ce tour là-bas. Bonjour. Bon, ça, c'est une quête de DLC. Si dangereux que ça?
directement à l'opposé de l'ouest prohibé. Allez, go, 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 go. Bah, faire la guerre, mais pas le temps. Me prendre tous les cargiens à part un, là. Ah, puis c'est bien évidemment au bout, hein. Oh, mais attends, y'a plein de feux de camp, ouais. Un marchand sur... Il y a un marchand, je suis curieux de savoir. Bonjour, alors qu'as-tu à nous proposer? Crotale de l'ombre, je sais pas ce que c'est ça. Tamakaro, on dirait style arbalète, mais je sais pas. J'ai pas d'éclat. Oh putain, j'ai rien en, métal, en éclat de métal. Oh. Attends, on va en vendre. Oh, hop, 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 attendez, attendez, on va en vendre. Hop. Putain, me libérer de la place, hein, parce que. Ah, c'est pas le tout, hein, mais bon, faut faire de la place. Hein. J'ai que 10 slots de livres, putain. Va falloir re-up à la capacité, hein. Pas le choix. Qu'est-ce qui se passe ici? Olin est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Ben, dis donc. C'est gros, hein. Ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattue par les Karja de l'ombre au col de la Crête Rouge. Ersa? La sœur d'Erend a été tuée? Parce que toi, tu connais Erend? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil? T'es vivant. Je te croyais morte. Laissez-la, allez. T'es venu à Méridian, rien que pour me voir? Tu bois ces temps-ci? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà, seul. Je suis à la maison, quoi. Qu'est-ce que t'as à me dire? Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village, on a entendu des explosions, dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés, ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Olin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Ah non, pas ridicule. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûr qu'Olin les a aidés. Mais je... C'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là.
Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison, à Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je filais droit. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. Ouais, ouais. J'ai perdu quelqu'un aussi. Pendant l'éclosion, l'homme qui m'a élevé. Il s'appelait Rost. C'est horrible. Je me demande pourquoi à chaque fois qu'il arrive une tragédie, les autres se sentent obligés de raconter leur propre drame, comme si ça aidait. Ouais, drôle d'idée. Bref, tu voulais me parler... Ok, ok, c'est bon, je serai plus sympa avec toi. Dégage. Ah, c'est bon, je veux y aller. Putain, si toi, à la fin... J'espère qu'à la fin du jeu, je peux le défoncer, lui. Oh, j'ai tellement envie de le défoncer, la vache. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir? Je réfléchis pas. Je bois. Cette fille, c'est... une Nora? Il laisse entrer n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Que je te cale une flèche, toi? Connasse. Oh, pardon. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien. Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même. Dégagez de là, ou je vous démonte tous à coups de pied. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa? Pas maintenant. Oula, il y a Anguille sous roche. Oh, il y a un truc là. Oh, c'est un peu la petite musique. Bon, comment on fait pour entrer? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaye de ne rien casser. La barre de porte. Tous ces trucs pour un seul homme. Ça paye bien. Le plan du tapis est abîmé. Et le sol à côté aussi. Voyons ce que oh, ça cache. Ne me dis pas que j'ai déjà trouvé la cache, la cale. Eh, hey, qu'est-ce que ça fait là? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram, indestructible. C'est ce qu'on va voir. Non, on va éviter d'aller en bois. Bon. Ouais, comment on fait? Comment je fais? Pourquoi il y a un gros trou là? Ok, quelque chose. Il y a quelque chose. Hey! Non mais attendez!
caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal. Eh ben, on va l'aider un peu. Putain. T'as la force pour pousser ça. Ou à ton pas, quand même. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles? On va peut-être éviter de faire le grand saut. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a ça. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ? Qui ça, ils ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa famille. Non, j'ai bien le focus. Ah, ça aide. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Ok. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Ouais. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Mais il se disait mon ami. Sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais ? Le focus, il montre l'invisible. Et celui d'Olin, c'est pareil ? L'appareil est le même, mais d'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu, par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Mmh. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Karja de l'ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Qui exactement ? Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat. Pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi ? Bah t'as qu'à le faire toi-même. Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crête Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Gentil quand même, à l'œil. Y a aussi un petit d'aloyer. Ok, donc maintenant on peut se casser. Ouf. Oh la lumière. Ok, ah là il y a du. Putain la vache, mais qu'est-ce que c'est que tous ces marchands? Ah oui, objet de chasse. Mais du coup, c'est quoi les autres ? Mais la fronde, ça fait grave mal ou c'est moi qui rêve ? La vache ! Eh ! Arc de guerre de l'ombre. Gel, corruption. Putain. Ah oui, hein.
mon avis, la flèche du bas, ça doit être vraiment pour détacher les... Pour détacher, je pense, les éléments. Lance-corde. Ah ouais, ça fait mal. Peut immobiliser temporairement les machines en les... Ah oui! Il rend si il nécessite davantage de cordes. Si vous attaquez une machine entravée, son temps d'immobilisation sera réduit. Ok. D'accord. De quoi tu voulais parler? Tu es une étrangère. C'est très bien. Mais une Nora, c'est embêtant. Oh, le binocleur, là, qu'est-ce qu'il Est-ce veut, que là? Tu crains les ruines des anciens, comme ceux de ta tribu? Non. Mais elles peuvent être dangereuses. Alors tu as peut-être vu ce que je recherche. Dans tes voyages, as-tu vu d'étranges réceptacles, agrémentés de symboles des anciens? Il s'agit de simples cylindres creux, avec des poignées en croissant sur les côtés. Si tu m'apportes 4 de ces réceptacles, je te donnerai volontiers ce que j'ai en échange. Oui, oui, faisons vite, j'ai beaucoup de travail. Ah ouais, ça se voit que t'as beaucoup de travail. Ah ouais. Boîte de réceptacles. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Eh les gars, je te laisse reprendre la chasse. N'oublie pas de fouiller dans les ruines. Tes voyages t'ont peut-être mené dans les ruines. Ok, donc. Parlons-en un peu. Eh, mais le nombre de quêtes! Mais ça veut dire que tous les marchands comme ça. Marchands de pièces spécialisées, réceptacles à collectionner, boîtes mystères, objectivaires. Ah ouais, donc quand c'est des étoiles, c'est vraiment spécial. Ah ouais, non mais les gars, vous êtes partis dans le délire. Cet endroit, il y a une odeur que je ne reconnais pas. Ah, une étrangère. Un genre d'épice, peut-être? Une Nora, apparemment. Je parie que tu chasses les machines, toi. Ça m'est arrivé, oui. Bon, si je peux te donner un conseil, oublie le pavillon des chasseurs. Si tu n'es pas Karja, tu n'iras pas bien haut. Ça serait bien que quelqu'un aille leur secouer les puces au pavillon. Peut-être. On va enchaîner, hein. Ce sera pas moi. Il y a là, gars. Si tu décides d'y aller, je veux bien que tu leur fasses un petit cadeau d'adieu façon Banouk de ma part. Un cadeau d'adieu façon Banouk? Quel genre? Tu pisses par terre. De préférence à un endroit où ils verront rien avant que ça commence à puer. Ouais. Quoi, j'ai le camp de bandit. Donc voilà, j'ai la quête principale. J'ai ça. Ah non, lui, c'est que des boîtes. D'accord. Ah oui, d'accord. Mastodon. Quand tu as déjà le nom là, tu dis ah. Ah. Ah oui, quand c'est des trucs vraiment très rares, c'est que ça doit être. Ça doit être pas mal, hein. Ah ouais, et lui, tu peux acheter des lentilles. Oh d'accord. J'aimerais discuter. De quoi tu voulais me parler? Tu es une étrangère, non? Une aventurière? En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Ok. Elles sont en métal. Comme des fleurs de métal? D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Ouais. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Ah, c'est au commerce. Marchons donc un peu pour ces...
Ouais, c'est des boîtes, quoi. Mais par contre, ouais, fleurs de métal. Ok. À la prochaine. Tout le monde a besoin de couleurs. Ok. Pourquoi ça où je vais les avoir, je sais pas, mais. On va aller voir la quête là-bas. Oh là l'étrangère. Tu es venu en ville chercher du travail? Ah, des éclats. Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée. Ok, arrête là si tu veux que je t'écoute. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi. J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Banouk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors ouais. J'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Banouk sont rusés, trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés? Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Ouais. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Banouk, sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. Si tu vis réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour. Ouais. Ok. On va essayer de fouiller là-bas, ok. Bon, on va faire les deux là. J'ai divers à collectionner, mais on sait pas ce que c'est. Ya! Tu cherches des artefacts? Oui, je travaille pour leur compte. Je suis particulièrement bon, madame. Les artefacts, voyons ce que c'est. Alors négocions. Ouais, c'est comme d'hab, c'est les boîtes. Artefacts, nanananananananan. Ok, ouais, c'est comme d'hab, quoi. Reviens me voir. Allez, adieu. J'aimerais parler à faire avec... Adieu! Ça sert à quoi d'avoir des trucs pareils? Ouais. Elle est par là-bas. Elle est en hauteur, mais comment on y monte? C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Une flèche. Et c'est ça? Non. Parle de quoi, l'œil? Putain, comment on monte à la quête là-haut? Ah, peut-être. Ouais, faut que j'arrive à. Que j'y sautais comme un bourrin ici. Peut-être moyen. À moins que par là, peut-être. Non. Par où on peut monter? Tiens, on peut monter par là? Ah bah non, merci du décor. Prendre par là. Pardon. Pardon. Voilà. Oula. Oula vache, les habits qu'il a lui. Tu es Nora. Je suis Naman l'épleuré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire? En deuil. Tu chéris le tien comme un talisman.
Pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation pour un proche perdu dans la fosse? Non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karja ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois sur le chemin de la... Ah, faut faire une escorte ? C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cette Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Je ferai mon possible pour aider ces malades. Et à plus, hein. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. Yep, allez, à plus. Putain, celle-là, elle va être, longue, je pense. Ouais, ressources. Qui dit boîte, d'ailleurs. Ok. Ok, le prochain il est là-bas. On va sortir de cette merde et on va activer l'autre et puis après on va pouvoir se laisser là-dessus. Bon, ça va, 9 PV, c'est pas la mort. Hey toi, viens m'aider! L'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges! Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider, un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Ok, retrouver l'épée quoi. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste, tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Ok. Ok. Bon, bah tout ça c'est fait. Alors putain, j'ai dit quête, en veux-tu, en voilà. Quête par là. Par là. Une là. J'ai Olin qui est ici. J'ai là, Erent. Alors, mollo, hein, on va aller mollo. Sinon, ici. Alors, ici, j'en ai. Oh putain, faut aller là-bas, quoi. Je sais pas c'est quoi ces bestioles-là en plus. Pour moi, c'est pas les étincelles. Pour moi, c'est pas des étincelles, mais. Ah, si, si, d'étincelles. Bah, si, c'est ça, ok. Je pensais qu'il y avait un autre logo, mais bon. Ok.
D'ailleurs, ici, il y a un site de corrompu, là, mais j'ai pas été nettoyer celui-là. J'ai pas été nettoyé, mais celui-là, on ira le nettoyer. J'irai le nettoyer tranquille en off, y a pas besoin de... Ça, c'est le genre de truc easy peasy. No risque. Bon. Bah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, on est enfin arrivé à Méridien, on a eu pas mal de quêtes. Et donc, je vous retrouve à demain pour la suite de l'aventure sur Horizon. Au programme, on va faire des quêtes, tout simplement. On va aller continuer là, on va aller continuer avec Colin. Voilà, trouver Colin sur le site de fouille. On va continuer, et puis après, je pense qu'on va aller faire quelques quêtes annexes. Putain, 3400 pas. Ouf. On va faire, je pense, quelques quêtes annexes, des tâches, des trucs comme ça, quoi. Voilà, voilà. Parce que voilà, XP, une boîte de récompense extraordinaire. Boîte de récompense extraordinaire, remarquable. Bon, voilà. Plus de l'XP, hein, on ne dit pas non. Ah oui, les bandits, ça coûte. Ah oui, 10 000 et 7 005. Ah ouais, putain, du bandit aussi à faire. Ça, c'est autre chose. Mais ouais, pas mal. Et d'ailleurs, on a un deuxième creuset aussi. Carte creuset ici. À faire. Donc bon, on ira se faire je sais pas quand, pas l'épisode prochain, mais peut-être à celui d'après, je pense. Voilà, donc moi je vous laisse, et puis je vous dis bien à bientôt. Salut à tous, ciao, bye bye.